sabbatier, comme on l'a dit, c'est un métier où l'on vit du désir des autres, où l'on vit dans le regard des autres. Je vais vous faire une interview miroir. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Mais vous êtes baffiste? Moi, je suis baffiste à fond. Ça veut dire bien, il fout les boules à ton copain en Israël, ça. Non, pourquoi? Quand il va voir, je suis baffiste à fond, il va bien prendre des bambis. Mais vous avez que des baffistes en Israël. C'est vrai? Mais oui. Ah, en Israël, il y a que des baffistes. Ouais. Et en Tunisie, il y en a beaucoup aussi, en Algérie aussi. Non, mais c'est vrai. À San Francisco, il y a un bar baffiste qui s'appelle le Baffy Bar. Oui, un bar gay que chez moi. Un bar gay, oui. Bien. Alors donc, que penseriez-vous, Patrick Sabatier, si vous étiez vu par votre père, par exemple? Je ne penserais plus rien. Votre mère? Il s'est bien occupé de son père. Votre frère? Je peux compter sur lui. Votre femme? Il pense trop à la télé. Votre maîtresse? Il me doit des ronds. Il y en a pas? Vos enfants? On est très souvent avec toi, oui. Mmh. C'est vrai, vous occupez beaucoup de vos enfants. Oui, vous allez chercher à l'école, vous allez à l'école. Non, mais en dehors du temps libre, même à l'époque, vous aviez beaucoup de boulot, vous occupiez beaucoup de vos enfants, c'est vrai. Votre concierge? Bah, que je l'oublie pas, hein, aux étrennes. Voilà. Non. C'est bien. Votre percepteur? Que je l'oublie pas non plus. C'est sûr. Votre patron? Que je dois être très exigeant. Mmh. Un peu trop. Ah oui? Ouais. Et votre ancien patron, le lait? Je pense que ce que le lait me reproche, c'est d'avoir gagné trop d'argent sur TF1. Ouais. Alors que lui, il est bénévole. Si vous étiez vu par le regard de votre réalisateur, vous diriez quoi? Le temps n'efface pas tout. Mmh. Votre coiffeur? Il n'est pas toujours bien coiffé. Ça va, là. Oui, mais pas toujours. Votre maquilleuse? Il me demande plus de travail qu'avant. Il a déjà une couche aussi. Votre médecin? Il vient me voir pas assez souvent. Ouais. Votre psy? Mais pas de psy. Non. Ben, c'est ça le problème peut-être. Ouais. Votre meilleur ami? Plus d'amis, plus d'argent, plus d'amis. Si. Je crois, on peut compter sur lui. Ouais. Ouais. Et votre pire ennemi? On peut compter sur lui. Patrick Sabatier, le temps n'efface pas tout. Chez Anne Carrière, édition. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.